Le point commun entre un filet de mémé, un hamac et une bougie s'appelle Filt. C'est l'entreprise dans laquelle je vous emmène bosser aujourd'hui. Il paraît qu'il recrute, ça tombe bien. Vous me suivez ? Bonjour. Bonjour, je suis Catherine Cousin, dirigeante de la société Filt. Bonjour Catherine. Alors il paraît que Filt recrute et que tu as un job pour moi. On en discute autour d'un café ? Allons-y. Allez. Alors Catherine, merci pour le café. Je vous en prie. Pour moi, les pauses sont aussi importantes que les espaces de travail. Explique-moi ce que fait Filt ici. Alors, on fabrique des filets à provision, des porte-bébés, mais aussi des filets pour la mitiliculture, pour l'automobile, pour la défense. Et ce hamac sur lequel on est installé. Et le super hamac sur lequel on est installé. Et alors, tu recrutes ? Oui, je cherche des mécaniciennes ou mécaniciens en confection. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à coudre la poignée du filet à provision. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très technique si on veut que le produit soit digne d'un Made in France et digne de qualité. D'accord. Combien de temps il faut pour faire un filet ? On est sur une moyenne de 30 pièces heure. Quelle qualité il me faut si moi je rejoins l'équipe ? Il faut quelqu'un qui ait déjà une expérience en la matière, qui soit à l'écoute parce qu'on va la former au produit et qui respecte le processus de fabrication et les critères de qualité. On fait beaucoup d'exports, notamment au Japon et aux États-Unis. Et si les Japonais viennent chercher un filet chez nous, c'est parce qu'ils s'attendent à ce qu'il soit d'une qualité irréprochable. C'est fini ? Alors ça y est, c'est fini. Donc il y a la petite étiquette Filt ici, voilà, bleu, blanc, rouge. Et ici, à l'intérieur. Y a ah bah tiens, c'est marqué quoi ? Laurence. Il y a ton prénom sur l'étiquette. Voilà, sur chaque filet à provision, il y a une étiquette avec le nom de la couturière qui l'a fabriqué. D'accord. Précis, très précis pour un produit très précieux. Le coton, même si la Normandie est un pays de production du lin. Savoir transmettre le savoir-faire. Filtre sans filtre. Technique, beaucoup, beaucoup de technique. Alors, local, avec un beau projet de construction d'une nouvelle usine, et mondial, parce que international, à près de 50% de notre chiffre d'affaires. Catherine, merci beaucoup. Moi, j'ai peut-être pas le profil pour être mécanicien en confection chez Filtre. Par contre, vous l'avez peut-être. Postuler, c'est une entreprise du patrimoine vivant hyper dynamique, en plein essor avec plein de projets et une ambiance et une équipe géniale. Merci pour l'accueil. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.